national. Donc ce 30 juin 2021, la section de Ziguinchor a organisé une journée de sargal des travailleurs municipaux de la commune de Ziguinchor. Donc on a eu à honorer 21 de nos collègues qui sont partis à la retraite. Donc ça a été une journée de grande envergure où véritablement tous les travailleurs se sont réunis, les familles, les parents, les alliés, pour vraiment honorer ces travailleurs. Donc c'est une première que les travailleurs ont mis. Donc après quelques initiatives prises par l'État civil qui a eu à faire cela, mais uniquement pour les agents de l'État civil. Mais quand on a vu que c'était une idée très noble et très bien, on s'est dit qu'il faut l'élargir à tous les travailleurs et qu'il faut désormais le prendre en charge. Donc c'est la raison pour laquelle hier, le 30 juin 2021, on a organisé le sargal des travailleurs municipaux de Ziguinchor. Donc on a honoré 21 de nos camarades, de nos collègues qui sont partis à la retraite. Donc désormais, chaque année, on prendra en compte cela. Donc ça a été une journée véritablement de symbiose, d'entente, de cordialité avec nos familles, nos parents, nos amis et vraiment nos aînés. Hormis cela, effectivement, il est revenu encore dans nos doléances, véritablement, de mettre en exergue la revendication sur les parcelles à usage d'habitation. Véritablement, si tu regardes nos aînés qui sont partis à la retraite, qui devaient vraiment avoir le toit, qui devaient être dans le toit, qui devaient avoir le parcelle à usage d'habitation, ne l'ont pas eu. Et aujourd'hui, ça devient une nécessité de les donner ces parcelles à usage d'habitation. Et ensuite, les indemnités. Il faut qu'on paye les indemnités. Il faut qu'on nous paye nos indemnités de 2018. Il faut qu'on nous paye nos indemnités de 2020. Et 2021, on n'a payé que 2 mois. Donc, il va falloir qu'on nous paye tout cela. Donc, il faut qu'on mette les travailleurs de la commune dans de très bonnes dispositions, dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent faire le travail convenablement.